Bonjour à tous, shop ou pas shop, c'est aussi l'occasion de proposer des match-ups et des personnages peu communs à vous commenter, à vous montrer. Et dans ce nouvel épisode, eh bien, je vais vous proposer des matchs de Kyunzo le Hakan qui va affronter 3 des meilleurs Dudley du live et 3 Dudley différents. On va commencer par Kokujin, puis on ira vers HJM, puis enfin le fameux Smug. 3 Dudley très différents et 3 fois le même match-up, mais avec une vision assez assez autre des choses. Hein. Très bonne vie à cancel, vous avez vu que là, il perd vite son village, mais on a vu au début du round que finalement, pour se huiler, il devait prendre Machine Gun Blow dans les dents. Du coup, il ne peut se huiler réellement que quand son adversaire... Alors ça, c'est dommage. Alors ça, c'est dommage de prendre ça. N'a pas de barre du Hex. Scotché au mur. Là, évidemment, le gros huilage est totalement garanti. Vous savez qu'Aken, une fois huilé, non seulement la frame data change, mais tous ses mouvements changent. Vous avez la possibilité d'annuler des dashs par des normaux, ce qui permet de faire des normaux focus dash avant normaux, de faire des coups armor qui ne sont pas réellement, avec un peu d'exécution. C'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Notez ces dashs aussi qui sont, voilà, on peut diriger Aken lorsqu'il cherche à focus. C'est vraiment assez puissant. Hein. Très peu de personnes dans le cas sont capables de faire ça. Oh, très bien, la chope pied ici que juste pour punir avec un coup de village. Est-ce qu'il s'est top? Et voilà, vous voyez, dash avant avec la focus immédiatement annulé par le bas petit pied. Et voici Kokujin en grosse difficulté, il trouve pas la distance pour battre au point. Mais là il ne peut plus huiler à présent. Kyunzo, il doit faire ça sans huilage. Allez, le X-Machine Gun Blow qui est rentré avec Duck Upper. Et le Jet Upper juste après, qui va permettre eh ben, à Khan justement de se sortir de là. Je sais pas à quoi servait réellement le Jet Upper. Je sais pas si réellement s'il voulait faire ça. Il a tapé la Chopex qui, huilé ou pas huilé, ben, mange de normaux, hein, comme la plupart des Chopex. Avec un startup relativement lent, hein, lorsqu'il n'est pas huilé, mais tout de même assez utile. Il a vu qu'il était en avance à l'énergie, du coup il s'est huilé. Et ça reprend. Dans mes bras, Kokujin. Dans mes bras, Kokujin. Kokujin Sama. Dans mes bras. Bras. Éclaté. Kokujin, il a voulu il a voulu jouer le show. C'est pris sous vide ultra. Ultra AJM XP. Le deuxième joueur de Dudley, le fameux Freddy Mercury, avec voilà là les vrais combos. En revanche, focus avant MP, MP target et le Machine Gun Blow, même s'il a pas de barre de Hex. On attend toujours une mise au sol, hein, pour se huiler. Le problème pour Kyunzo, il est le même, mais ce Hakan est réellement très intéressant. On va se faire sacrifier. Oh, il prend pas gros point overhead avec le combo derrière, bas petit point avec Machine Gun Blow. Voilà, voilà. Et là il a mal, c'est ça qu'il voulait faire à mon avis, hein. Juste derrière le Jet Hopper, Kokujin lors du dernier match, et le Backswing Blow fera infini. Voilà, arrête de me spammer le Backswing Blow là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à le manquer de respect. Et là, et eh bien ce coup-ci il était grillé. No more Sauvide 720, s'il te plaît. Terminé de manquer de respect. Le Yex Thunderbolt qui vient foudroyer ici Kyunzo. Et HJM qui est maintenant devant à 1-0. Mais c'est bizarre, hein, les ouvertures backdash, les glissades qui passent d'entrée de jeu. Il a voulu entier avec gros point. Vous avez vu le gros point qui n'est pas encore assez utile. Le startup du saut bien chopé par la shop kick. Un shop qui permet de choper les startups du saut. Donc une des rares shops qui permet de choper quelqu'un qui est en train d'esquiver, d'essayer d'esquiver une shop. Hein. C'est quelque chose qui est assez intéressant finalement. Par contre là, elle n'est pas passée parce que ça ne touche pas un adversaire qui est baissé à ces distances là. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Je juste dash avant après le Duck Hopper. Et il lui fait un Okizem finalement relativement basique. Alors que, eh bien, Kyunzo qui n'est pas huilé, bah voilà, a tenté une arnaque. Dash avant, YX 360. Huilage simple, hein, et très rapide avec le petit. Ça s'est entièrement passé. Il va petit point, stand, gros point, YX Machine Gun Blow. Et décalage ultra. Alors vous avez vu, il a fait un pas en avant utilisant le buffer d'écart avant pour pouvoir punir ça. Le X Duck Hopper va pas passer, mais là, pas de grattage. Et se fera quand même, eh bien, cassé par ce phare MP ou ce phare MK. Voilà, AJM qui a beaucoup mieux géré finalement le match-up Dudley. Et pour Kyunzo, ça fait un partout versus Dudley. Le dernier, c'est Smug. Hollywood Smug, Smug d'Abyss. Alors évidemment, dans la côte ouest, ils peuvent plus ou moins jouer contre les joueurs japonais. Ça arrive que ce soit possible. Disons qu'avec une très bonne connexion aux États-Unis, une très bonne connexion au Japon, on peut arriver à avoir quelque chose de tranquille. Et on va voir quel est le Dudley qui va s'en sortir le mieux. Ah, très bon, un Sauvide 360 encore. Vous avez vu la barre de vie quand même qui est retirée sur un 360 huilé. Sachant que c'est toujours le même problème de toute façon dans ce match-up. Hakan ne peut pas se huiler gratuitement sans qu'il y ait une mise au sol. Et dès que lui se fait mettre au sol et se fait malmener, bah c'est finalement à Hakan sans huile que l'on doit réellement jouer le second point. Et bien avec ce reset derrière le counter hit de 360 kick, gros huilage, il maintient la pression évidemment à cette distance là en se mettant le gros point, en disant qu'il peut pas sauter avec le saut très très bas finalement de Dudley. Et c'est encore une belle maîtrise de l'espace et une belle maîtrise, et bien, du match-up de la part, voilà, de Kyunzo.
Oh là, ce saut gros pied. Ça y est, deuxième fois, elle a fait saut gros point. Ensuite, 360 pieds. Et là, il fait saut gros pied, 360 pieds. Énormément de resets parce qu'il sait que Dudley, finalement, s'il ne se baisse pas, a quasiment sa garantie. Puisqu'il n'y a pas réel reversal de coup qui va casser ces trucs-là. Faudrait qu'il fasse ex-jet upper. Mais c'est complètement improbable de faire ex-jet upper dans ce genre de cas de figure. Même si ça reste un 3 frame, le ex-jet upper n'est pas cancellable. C'est pas quelque chose de très confortable. Le setup est bon. Il a backdashé pour sacrifice hit. Et il a utilisé d'utiliser deux bas à Kunzo qui pensait que son setup allait passer. Le duck upper en entier est très très bon, très utile d'ailleurs sur les sauts assez courts de Hakan. Bon, il se relève comme ça, il n'y a plus de respect. Attention parce que là elle a l'ultra chargé et là elle a encore complètement carotté le backdash avec les couleurs de l'ultra évité. Gros point X machine gun blow. Hey. Et double duck avec encore un gros pif froid. Ça bourre dans tous les sens hein. Il a huilé tous les links. Il faut un peu d'huile, de l'huile au sel dans tous les links. Il se retrouve quasiment au zéro de vital. Smug qui doit tenter quelque chose et voilà. Je vous l'avais dit, le seul option dans ce genre de situation là, lorsqu'il est arrivé à toucher la garde, il peut faire 360 pieds. C'est risqué si on veut attaquer, c'est le jet hopper. Smug qui s'en sort très très bien et qui est un tout petit peu miraculé hein, quand même hein, sur cette dernière phase là. Très bon stand gros pied avec Smashing Young Blow avec le duck upper en juggle. Et il lui met une balayette à la distance pile poil. C'est pas bon. Ocio stun sur Hakan à 60% de barre avec reset derrière. Ça va faire mal. Ça pue le perfect. Thunderbolt dans le boss et pas relevé instantanément. Mais il a piffé. Et ben voilà. J'aurais même pas eu le temps de mettre en plein écran le pif de Kunzo suite à l'agression totale. Voilà le Dudley de Smug. C'est peu de shop finalement. Plutôt pas shop. Mais face à la shop, c'est plutôt le pas shop qui a gagné face à la shop ici. Qu'en pensez-vous de ça? Les match-up peu utilisés, ça sera aussi régulièrement dans shop ou pas shop.